bonjour, je vais demander d'abord de présenter la troupe. Bonjour, bah on est le groupe Goldman, on fait un hommage à Jean-Jacques Goldman. Vous êtes composé de combien de musiciens exactement ? On est 6 sur scène, on essaie de retracer le Jean-Jacques Goldman entre guillemets des années 80. Là, vous faisiez les concerts justement avec cette formule à 6. On essaie d'être le plus proche possible de ce modèle-là de ces concerts. Jouer les titres les plus importants de son répertoire. Oui, tout à fait. Ben, de toute façon, tous les titres sont importants chez Jean-Jacques Goldman. Depuis Envole-moi, Encore un matin, Il suffira d'un signe, La vie par procuration, j'en passe. D'hiver en automne, ni pierre, ni froid, on y va la chorale. La belle nuit de peur sur son balcon, pour m'attirer, moi dans les pigeons. Oh, oh, elle vit sa vie par procuration, devant son poste de télévision. Sans fin quand on regarde hein, la carrière de Goldman justement. Ouais, c'est il y a vraiment un vivier de tubes et ce qui nous permet aussi de pouvoir faire jusqu'à plus de 2 heures de spectacle avec que des chansons qui sont connues par le public. Il y a une espèce de communion qui s'instaure entre le public et nous autour de cet amour pour les chansons de Jean-Jacques Goldman et pour le personnage qu'il est aussi parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Noir sur blanc, quoi que je fasse, où que je sois, rien ne t'efface, je pense à toi.
passe les jours, vie de sillon, dans la maison, et sans amour, passe ma chance, tourne les vents, reste l'absence, obstinément. Personnellement, justement, je pense que c'est une passion qui est de longue durée, justement. Ouais, ouais. Alors, quand j'étais ado, j'ai évidemment acheté tous ces albums. Je les ai usés. Hein. Je connais toutes ces chansons quasiment par cœur. Et donc, forcément, c'était, ça a été un peu plus facile pour moi de chanter du Goldman. Si j'avais voulu faire un autre artiste, ça aurait été un peu plus compliqué, étant donné que je connaissais tout par cœur. Oui, il fallait que je le fasse, quoi. C'est quelqu'un que j'aime bien foncièrement. Et voilà, ça me plaît très, très, très fort de le faire. Je pense que ça doit être un réel bonheur de pouvoir se produire devant des gens qui sont en liesse devant justement ces chansons. Ouais, c'est un peu comme vivre ce que lui vivait sur scène, à moindre échelle évidemment, mais on se rend compte qu'il se passe vraiment quelque chose autour de ces chansons. Ouais.
en cœur de l'actualité parce qu'on voit que Goldman est une personnalité très appréciée des Français en ce moment. Oui, ça fait du bien aussi. Je crois que c'est mérité amplement. Justement, l'été fait que commencer au niveau des tournées ou Mais déjà bien entamé, hein. On continue là jusqu'en septembre, octobre. Il va y avoir une petite période de creux à partir de novembre, mi-novembre jusqu'à peut-être février. Après, ça va reprendre de plus belle, on l'espère. Yeah.
d'autres spectacles justement avec la troupe ou vous avez exclusivement justement ce répertoire Non, on a. Enfin, moi, je travaille dans d'autres aussi, dans d'autres shows. Mais bon, Goldman commence à prendre la majeure partie de mon temps. Puis les autres musiciens aussi, qui sont eux, pour la plupart profs, ça se passe plutôt bien. Moi, il va falloir que je me fasse remplacer sur d'autres projets, etc. Parce qu'on, ouais, on a su un petit succès avec Goldman et ça nous permet, ça ne nous permet plus de faire beaucoup d'autres choses à côté.
beaucoup. Alors rejoignez-nous sur www.goldman.fr. Merci beaucoup.